Au sommaire de cette édition, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons s'est poursuivi aujourd'hui au tribunal militaire délocalisé à la salle des banquets de Ouaga 2000. L'interrogatoire de Nyamba Élisée Ilboudo, chauffeur militaire au moment des faits, s'est terminé aujourd'hui. Le point de l'audience dans cette édition. Et puis le 27 octobre 1987, une date que Koudougou a toujours en mémoire, 2 semaines après la fin de la révolution, une guerre s'est déroulée dans cette ville. C'est d'ailleurs la seule guerre qui a fait suite à l'assassinat du président Thomas Sankara, une guerre dont les traces sont toujours visibles. Boukari Kabore, les lions étaient recherchés, rappel historique à suivre dans cette édition. En politique, le Parti pour le développement et le changement, PDC, quitte la majorité présidentielle. Le président du parti, Fadel Abdelaziz Sérémé, l'a fait savoir à travers 3 écrits datés d'hier. Le PDC est donc désormais un parti de l'opposition politique, un revirement qui survient à la suite de la démission de la fondatrice du parti, Sarah Sérémé, du médiateur du Faso. Explication à suivre. En sport, la carte nationale du supporter est relancée. Cette carte qui a existé dans le passé est remise à jour par la nouvelle équipe de l'Union nationale des supporters des étalons que dirige Ousseni Touguma depuis juillet dernier. La cérémonie de lancement s'est déroulée hier à Ouagadougou en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana. L'on en parle dans ce savant soir. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Et direction Palais de Kossiam pour débuter cette session d'information. En Conseil des ministres ce matin, le gouvernement a adopté un rapport sur la commémoration du 7e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Un projet de loi a également été adopté. Il porte modification du code électoral. Écoutons à ce sujet Ousseni Tamboura, ministre porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres a examiné deux rapports. Un premier rapport relatif à la commémoration donc du 7e anniversaire de l'insurrection populaire donc, des 30 et 31 octobre. Nous avons pour tradition de commémorer donc, cette insurrection populaire et aussi la résistance du peuple burkinabé au coup d'État qui était intervenu donc, le 16 septembre 2015. Et à l'occasion, cette commémoration est essentiellement un hommage rendu aux martyrs. Donc, sur ce dossier, le Conseil des ministres donc, a examiné un rapport du ministre en charge de la question. Et donc, la commémoration, comme elle se fait d'habitude, va se déployer ce 31 octobre avec quelques activités importantes, des activités de salubrité, bien sûr, sur des espaces tout à fait symboliques pour nos martyrs. Mais aussi, il y a cette constante de la commémoration qui consiste à tenir des offices religieux, donc en collaboration avec l'ensemble des associations fêtières religieuses de notre pays. Il y aura donc aussi ces offices religieux, puisqu'il s'agit aussi de recueillement. Et puis enfin, donc, le clou de la commémoration qui se déroule donc tous les 31 octobre, avec la présence du chef de l'État. C'est avec un acte fort qui est le dépôt de la gerbe, donc au monument des héros. Cela va se passer donc aussi ce 31 octobre 2021, selon les mêmes principes, avec un appel à une minute de silence ce 31 octobre à 10h. Le second dossier que nous avons adopté au titre de ce ministère est relatif à un projet de loi portant donc modification du code électoral. Je crois que l'agenda est connu. Et successivement, donc, les décisions du Conseil des ministres ont été d'une part de faire en sorte que les élections municipales soient reportées au 22 mai 2022. Je pense que nous avons tous noté cela. Il s'agissait ensuite pour le président du Faso, sous son leadership, de faire en sorte que le dialogue politique se retrouve pour discuter sur un certain nombre de points pour réussir donc ces élections municipales. Il vous souviendra qu'à un des conseils des ministres, nous avons abordé ici le contenu, les résultats de ce dialogue politique. Les acteurs donc, qui sont de l'opposition et de la majorité s'étaient entendus sur des points consensuels de modification du code électoral. Ce n'était pas uniquement le seul point inscrit à l'ordre du jour du dialogue politique, mais cela était aussi donc inscrit. Et à la suite donc, de cette session du dialogue politique, nous avons aujourd'hui délibéré et donc adopté un projet de loi portant modification du code électoral. Certainement pour permettre la bonne tenue des élections municipales, bien sûr, d'une part, et d'autre part aussi de faire en sorte que nous puissions tenir compte aussi du contexte d'insécurité.
Suite à du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, un accusé à la barre depuis hier, il s'agit de Nyamba Élisée Ilboudo. Son interrogatoire s'est achevé aujourd'hui. Sibline Akelsé nous fait le point. L'interrogatoire de l'accusé Élisée Nyamba Ilboudo s'est achevé cet après-midi. Il a reconnu qu'il était du commando qui a assassiné Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Après s'être mué dans le silence hier quand il s'agissait des questions relatives au général Gilbert Dienguéré, l'accusé Élisée Nyamba Ilboudo a finalement confirmé ce qu'il avait lâché devant le juge d'instruction. Pour la partie civile, le débat était serré. La partie civile a insisté sur la présence ou non de Gilbert Dienguéré à cet attentat parce qu'il était le responsable de la sécurité du conseil. Pour Maître Olivier Badolo, c'est pour juste amener l'accusé à dire ce qu'il a dit au juge d'instruction dans un environnement ouvert. Monsieur Ossé, c'est que l'accusé est souvent comme pas de Dienguéré. Il joue comme à l'amnésie, mais bon, quand même on a pu avoir la confirmation, on n'a pas les techniques, on a pu lui faire dire effectivement ce qu'il avait déjà dit au juge d'instruction. Donc pour nous, on retient qu'effectivement le débat était serein, même si la partie adverse souvent tente à plaider déjà alors qu'on n'est pas encore à ce stade-là. Pour le moment, au niveau des interrogatoires, c'est sur les faits, sur l'éducation des clients, du moins des accusés, qu'on discute. On n'est pas là pour plaider le dossier d'abord. Ça va venir par la suite. C'est normal puisque Dienguéré était quand même un des patrons du conseil. Donc quand tu gardes une enceinte, c'est naturel que quand même ce qui se passe à l'intérieur de l'enceinte, qu'on sache, tu dois savoir que tu es gardien des lieux. Donc quand même, tu ne peux pas dire que tu ignores ce qui s'est passé. Alors qu'on a tenté, il a tenté donc de dire qu'il n'était pas là, il était au sport. Donc il faudrait quand même celui qui a dit qu'il l'a vu, puisse quand même témoigner devant les juges et devant tout le monde qu'effectivement, c'est ce qu'il a vu. Donc il faut qu'on insiste quand même qu'il reprenne ce qu'il avait déjà dit. Nous, on n'a pas inventé ça, c'est ce qu'il a dit, qu'on veut qu'il reprenne devant tout le monde, devant le juge. De façon solennelle. La demande d'expertise de Maître Eliane Kabore sur l'état de santé psychiatrique de son client Élisée Nyamba Ilboudo a été rejetée. Elle dit accepter cette décision du tribunal militaire, mais explique tout de même les raisons qui l'ont amené à demander cette expertise. J'ai pris le dossier commission d'office, même pas un mois, mais des échanges que j'ai reçus de sa famille, de ceux qui sont vraiment à côté de lui, et des documents que la famille m'a remis à la dernière minute, il a subi un traumatisme crânien. C'est pour ça que je voulais que la juridiction ordonne une expertise. Mais la juridiction ne m'a pas suivi. J'accepte. J'ai présenté le code de procédure pénale, la première page. Il vous a déclaré qu'il ne sait pas lire I ou A. Est-ce qu'il a compris la question? J'ai reposé en fait en résumant ce que la juridiction lui reproche. Il a dit non, donc c'est forcément non coupable. L'interrogatoire de Élisée Nyamba Ilboudo a duré 2 jours. Demain, c'est un autre accusé en la personne de Idrissa Sawadogo qui faisait partie du commando qui sera à la barre pour son audition. Voilà, et puisque nous sommes en plein procès Thomas Sankara, parlons de cette date, une date que tout Koudougou retient, c'est la date du 27 octobre 1987, c'était à peu près 2 semaines après l'assassinat de Thomas Sankara. Une guerre avait eu lieu dans cette ville de Koudougou, Boukari Kabore, dit les Lions, alors commandant du bataillon d'intervention aéroporté BIA était recherché. 34 ans après, les traces de l'anéantissement du BIA, bras armés de la révolution sont indélébiles et les témoignages toujours vivants. C'est un rappel historique que nous propose Soumaïla Rabo. Quand le capitaine Blaise Compaoré prend le pouvoir le 19 octobre 1987 à Ouagadougou, il n'obtient pas tout de suite le ralliement de Koudougou. Koudougou était alors symbolisé par le fameux BIA du capitaine Boukari Kabore dit le Lion, le bataillon d'intervention aéroporté. Des tractations s'engagent à travers des médiateurs comme Alain Zoubga, Émile Gouba, Henri Zongo et Laurent Sedgo. Plus tard, Herman Yamego est entré en jeu, mais en vain. C'est ainsi qu'au matin du 27 octobre 1987, plusieurs unités venues de Ouagadougou et conduites par Alain Bonkian, Laurent Sedgo, avec entre autres Gaspard Sommé, ont encerclé Koudougou. Des témoins en parlent encore aujourd'hui. 27 ans, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps sur le jour. Le matin du 27 octobre 1987, nous étions au Kesh pour prendre un café avant d'aller au travail.
Dès 6h30, il y a eu le premier coup de feu. Nous avons tout fui, surtout qu'il se disait déjà que les militaires devaient attaquer Koudougou. Une fois au service, les tirs se sont intensifiés. Les militaires arrivés de Ouagadougou ont occupé le camp du BIA. Mais il n'y avait pas d'électricité. Ils ont donc demandé de réparer. Mais les tirs se sont intensifiés et nous avons fui pour nous abriter. Après, ils sont revenus nous chercher avec des gendarmes pour rétablir l'électricité. Et ils nous ont dit qu'ils cherchaient le lion, mais qu'ils avaient besoin d'électricité pour informer Ouagadougou qu'ils ont pris Koudougou. Ils cherchaient donc les officiers du BIA. Après, nous avons appris qu'ils ont mis la main sur Kéré et ses hommes. Kéré, Néneba, pas le capitaine Boukari Kabore dit le lion était recherché, de même que son adjoint, le lieutenant Daniel Kéré. Selon les récits de Boukari Kabore dit le lion, le 27 octobre, seul un civil a été tué. Les assaillants venus de Ouagadougou ont tué 6 officiers et 5 soldats du rang du BIA les jours suivants, alors que le BIA n'avait pas riposté. Le problème, sécurité et civil. J'ai formé les civils de sorte qu'ils soient des supplétifs de l'armée. Donc le 27 octobre, j'ai dû faire le tour de la ville pour dire aux civils de ne pas faire la guerre parce que Thomas Sankara était déjà mort. Mais après, ils ont tué tous les officiers du BIA. Les deux qui sont en vie sont Salfo Kabore et Boukari Kabore dit le lion. Officiel même pas. Il y a Salfo, il y a Boukari. Moi, enfin, qu'est-ce que vous pouvez. Selon toujours le récit du lion, les hommes de Blaise Compaoré ont jeté les corps à la périphérie de la ville de Koudougou. Quelques jours plus tard, la population de Koudougou a couvert les corps de terre. Il a fallu attendre l'affaire Norbert Zongo en 1998-1999 pour qu'une dalle soit érigée pour symboliser le site du charnier d'octobre 1987. Le lion lui dit avoir quitté Koudougou le 1er novembre 1987. En politique, un parti de moins au sein de la majorité présidentielle, le Parti pour le développement et le changement PDC a annoncé son retrait. C'est à travers 3 écrits datés d'hier et signés de son président Abdelaziz Seremé. Difficile de ne pas faire le lien avec la récente démission de la fondatrice du parti, Sarah Seremé, du médiateur du FASO. Explication, Issa Oumarati. Ainsi donc, le PDC, Parti pour le développement et le changement de Sarah Seremé, quitte la majorité présidentielle et n'entend plus participer à l'action gouvernementale. Fadel Abdelaziz Seremé, président du parti, l'a fait savoir à travers 3 écrits. Le premier est une déclaration faite à l'endroit de l'opinion, l'informant de la désormais appartenance du parti à l'opposition politique. Le deuxième est une lettre adressée au ministre en charge de l'administration territoriale, lui annonçant la même chose. Et le troisième écrit est également une lettre adressée cette fois au Premier ministre. Dans cette dernière lettre, le président du PDC informe le Premier ministre de la cessation de la participation du PDC à l'action gouvernementale, en d'autres termes, son retrait du gouvernement. Soulignons au passage que le PDC participait à l'action gouvernementale à travers Louis Ango, membre de son bureau exécutif national, jusque-là ministre délégué en charge de l'artisanat auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. C'est donc fini entre la majorité présidentielle et le Parti pour le développement et le changement. Dans la lettre adressée au Premier ministre, le président du parti, Fadel Abdelaziz Seremé, dit, je cite, « Le Parti pour le développement et le changement, après avoir dressé un diagnostic sur la situation nationale et mené une réflexion sur les défis auxquels est confronté notre pays, est arrivé à la conclusion que la gouvernance actuelle n'est pas en harmonie avec sa vision et ses idéaux. Nous ne nous reconnaissons pas dans la démarche adoptée par le gouvernement face aux défis du moment. » Fin de citation. Une telle démarche est forcément à mettre en relation avec la démission le 29 septembre dernier de la fondatrice du parti, Sarah Seremé, de son poste de médiateur du FASO. Dans un article publié par l'hebdomadaire La Lettre du FASO, dans sa parution du 26 octobre dernier, les mêmes raisons qui ont prévalu au retrait du PDC de la majorité présidentielle sont évoquées pour justifier la démission de l'ex-médiateur du FASO, même si elle-même avait parlé de convenances personnelles.
pour étayer son article, le journal a retranscrit un audio de Sarah Nsérémé dans lequel elle dénonce l'inaction du gouvernement face à la terreur que vivent les populations dans les zones touchées par l'insécurité. L'on comprend donc que le retrait du PDC de la majorité présidentielle n'est que la suite logique de la démission de Sarah Nsérémé du médiateur du Faso. L'Amazone du Sourou n'est pas à sa première fois dans cette attitude. L'on se rappelle que le 25 septembre 2012, Sarah Nsérémé, députée à l'époque, avait claqué la porte du CDP de Blaise Compaoré avant que le trio fondateur du MPP, Roch, Salif, Simon, ne suive plus tard. L'histoire retiendra que quand Sarah Nsérémé n'est pas d'accord, elle dit non. Et venant d'une femme, c'est un caractère qu'admirent de nombreux observateurs. Suite de Savansoir, des mécontentements dans les établissements privés d'enseignement du Burkina. Des enseignants se plaignent de leur traitement. Ils sont réunis au sein du syndicat national des travailleurs de l'éducation privée et des enseignants non intégrés dans la fonction publique. Le syndicat est monté au créneau ce matin à travers une conférence de presse à la Bourse du travail de Ouagadougou. Écoutons Ragnimi Somm Taranyaka, un des conférenciers, dont les propos ont été recueillis par Daouda Yameogo. Un instituteur qui touche 30 000 francs, 40 000 francs dans une école privée, même si je ne vous le dis pas, vous savez que c'est une vie difficile que nous allons mener. Il y a aussi la question du test d'intégration. Vous savez qu'il y a deux ans de cela, le test d'intégration n'était plus, il ne lançait plus le test d'intégration. Pourtant, l'État nous a donné ces diplômes dans le but de nous recruter pour complément d'effectifs. Parce que le ministre nous avait dit au début, quand l'enseignement est passé au niveau supérieur, qu'ils allaient nous donner au moins 5 ans de sens pour permettre à ceux-là qui ont le titre d'enseignement, ça veut dire le CAP, le CAP et les autorisations d'enseignement. Il y a d'autres également qui ont eu leur autorisation d'enseignement dans le privé sans passer dans des écoles de formation. Vous avez dit que vous allez leur donner 5 ans. Nous voulons que les 5 ans-là soient respectés et peut-être même voir plus que ça. Parce que si vous allez recruter 1 000, 5 ans, ça sera 5 000. Nous sommes 30 000, voire 40 000. Donc, c'est pour cela que nous voulons que l'État, en tout cas, revoie ce cas. Nous les demandons, nous les supplions de regarder leurs enfants qui sont en train de souffrir. Et j'allais terminer pour dire que ils n'ont qu'à essayer de voir les fondateurs des écoles privées. Nous allons quand même indexer certains fondateurs qui nous utilisent pour avoir de l'argent. Quand vous ouvrez votre école, quand on les approche, ils nous disent que non, nous n'avons pas l'effectif. Ah mais, si vous ouvrez votre boutique et ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Il faut fermer. Vous avez ouvert votre école, vous avez 100 élèves. Les frais d'exploiter, c'est 22 000, 30 000 francs. Vous prenez 6 enseignants, vous voulez qu'ils viennent toucher 15 000, 20 000, 30 000 francs. Si ça ne va pas, tu fermes. Voilà, autre actualité ce soir, la police nationale a saisi plus de 3 000 bidons d'huile de vidange contrefaite. Elle a ainsi mis fin aux activités d'un réseau de présumés délinquants dans la ville de Ouagadougou. Ces derniers s'adonnaient à la contrefaçon, à l'importation illicite et à la commercialisation frauduleuse des produits lubrifiants des marques Total, Shell et General. Ces produits contrefaits proviennent de 5 ans et le livreur est un commerçant qui les importe d'un pays étrangers. En culture, les nominés de la 20e édition des Koundé d'or sont connus. Leurs noms ont été dévoilés hier lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Il y a au total 15 catégories et 5 artistes sont en compétition dans chaque catégorie. Amadou Edraogo et Samuel Moko nous en disent plus. Sur plus de 1000 œuvres musicales sorties et diffusées entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2021, ce sont celles des artistes Amzi, Sisbi, Dez Altino, Don Sharp Debatoro et Dimilo Le Chanceux qui ont convaincu le comité de sélection. Et pour être nominé Koundé d'or, il faut être auteur d'au moins 2 albums. L'album doit être d'une bonne qualité technique et artistique. On a exigé à ce que ceux qui compétissent dans cette catégorie-là aient
deux albums. Deux albums, je pense que c'est pas évident, parce que vous savez que ce qu'on voit très souvent, c'est beaucoup de singles que les artistes font. Voilà, ils sortent moins d'albums, et alors que quand même l'album, c'est le coffre de l'artiste, ça montre que c'est un artiste complet. Quant à l'absence de la gente féminine sur la liste des nominés pour le Koundé d'or, Bourahima Djiga, commissaire de sélection, donne des explications. On a dit meilleur artiste burkinabé de l'année, que ce soit femme ou homme. Et comme le disait le commissaire général, c'est une question de critères. Il faut d'abord avoir sorti un album ou un maxi. Mais un album pour ce qui concerne la catégorie quand même Koundé d'or. Il faut une carrière organisée, il faut qu'il y ait eu un succès médiatique et commercial. Il y a, c'est vrai, des auteurs féminins qui ont sorti des œuvres, mais souvent ce sont des singles. Donc en ce moment, si les singles ne se sont pas également bien comportés, lorsque on les met en compétition, comprenez avec nous que bon, ce sont les critères qui vont donc déterminer. Au cours de cette conférence de presse, le comité d'organisation de Koundé, à travers son commissaire général Diapres, a lancé un cri de cœur aux autorités burkinabées. C'est la 20e édition qui va se tenir. Et sur le plan financier, les partenaires sont éprouvés. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est les effets de la Covid et puis l'insécurité. Donc, c'est pour ça que je demande à ce niveau-là un soutien des autorités sur le plan financier et surtout sur le plan sécuritaire, parce qu'on en a besoin. Et je voudrais me féliciter de la belle tenue du FESPACO. En rappel, la 20e édition de Koundé va se dérouler du 26 au 27 novembre prochain. Et pour cette année, le comité d'organisation a retenu 5 nominés par catégorie au lieu de 3 comme les années antérieures. Et nous parlons des loisirs à présent. Les 3 provinces de la région du centre-sud étaient présentes à Manga, chef-lieu de la région, samedi dernier. Elles ont pris part à la 2e édition de la journée régionale des loisirs du centre-sud. Ruben Wilson Koyo y était. 3 jeux de société étaient à l'honneur à cette 2e édition de la journée des loisirs à Manga. Il s'agit des jeux de dames, de scrap et de pétanque. Cette journée placée sous le thème cohésion sociale entre fils et filles de la région est une initiative de la Direction régionale des sports et des loisirs du Centre-Sud. On peut dire que le bilan est positif, parce que nous avons réussi à l'organiser avec la présence effective de toutes les 3 provinces. Et les compétiteurs étaient vraiment contents, ils sont satisfaits de ce qui se fait. Prochaines éditions, je pense que nous allons nous prendre si tôt pour mettre vraiment les dispositions nécessaires pour que ça soit meilleur. Si la pétanque a été remportée par le club de Pau, le jeu de dames a été dominé par Mahamadi Igo et le jeu de scrabble a été remporté par Inoussa Sawadogo. Pour le ministère des Sports et des Loisirs, ces jeux de loisirs viennent résoudre beaucoup de problèmes dans nos sociétés. Des très belles initiatives que nous félicitons et nous encourageons et de permettre aux gens de fraterniser autour d'un certain nombre d'activités et de loisirs et de partager vraiment des moments conviviaux. Le premier vice-président de la Cour des comptes est le parrain des 2 premières éditions. Jean-Baptiste Bouda revient sur l'importance de ces jeux de société. Les jeux de pétanque, de dames, de scrabble, ce sont appelés jeux de société. Et ce sont des occasions de partage et de communion. Et sans distinction. Parce que vous aurez remarqué que lorsqu'on parle de pétanque, on ne parle pas d'âge, de junior, de cadet. Donc c'est là où on trouve toutes les classes sociales. Donc c'est un véritable vecteur de cohésion sociale. Madame le gouverneur de la région du Centre-Sud, patronne de cette édition, a suivi le final de cette journée des loisirs. Elle parle d'un motif de satisfaction. Rendre grâce à Dieu pour cette occasion encore qu'il a donnée aux fils et aux filles de la région, à toutes les forces vives de la région, de se retrouver autour de cette compétition qui est une coupe de loisirs de la région du Centre-Sud. Je voudrais tout d'abord dire merci aussi à Monsieur le Parrain qui a accepté 2 années d'affilée parrainer cette édition. Je voudrais dire que c'est un réel
quel plaisir et ce sont des émotions de satisfaction que j'ai ce soir. Je suis comblé, c'est très bien. Ces activités de loisirs ont eu pour cadre le site du stade régional du Centre-Sud à Manga. En sport football, la quatrième édition de la Coupe du Maire de l'arrondissement 7 de Ouagadougou a connu son apothéose dimanche dernier avec le sacre des Team FCD Sandogo. La finale s'est disputée sur le terrain de Sandogo au secteur 33. Sibylina Kielsé nous en dit davantage. Pour cette quatrième édition, l'équipe de Sandogo Team FC a détrôné FC Zaktouli, détenteur du trophée. Dès l'entame du jeu, FC Zaktouli a multiplié les actions offensives, mais n'est pas parvenu à scorer. Team FC reprend la domination à la deuxième mi-temps et ne parvient pas à marquer jusqu'à la fin du temps réglementaire. À zéro but partout, il fallait recourir à l'épreuve fatidique des tirs au but. C'est au tir au but que Team FC s'est montré plus adroit en inscrivant 5 tirs contre 3. Le promoteur, le maire Sédou Compaoré, exprime sa satisfaction. Le président Roch-Marc Christian Kabore prône la réconciliation nationale entre les filles et les fils de ce pays. Donc nous avons pensé qu'en organisant cette coupe, nous allons l'accompagner en l'aidant à ce que les jeunes se parlent, à ce que les filles et les fils de notre arrondissement puissent se parler dans un même langage. En tout cas, je suis très très satisfait de l'organisation. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est un monde fou qui est sorti. On ne s'attendait pas à cette foule-là. Le président du comité d'organisation, Herman Wilina, revient sur le bilan de cette compétition qui a enregistré la participation de 8 équipes. Un bilan, oui, très satisfaisant. Parce que durant le tournoi, on n'a pas enregistré vraiment de dégâts. Tous les matchs que nous avons organisés, que nous avons vraiment vus sur le terrain, vraiment, on est très satisfait. L'émotion était au rendez-vous. Les perdants, les joueurs de Zaktouli, ont reçu les encouragements du chef de Zaktouli, Nabakango. Donc on est très heureux pour la prestation qu'on a vue. Et c'est à l'ensemble donc, de la jeunesse de l'arrondissement 7 qu'on dédie donc, cette coupe-là. Parce que c'est une coupe qui s'est jouée dans le calme et dans la cohésion. Et nous espérons que les années à venir, l'œuvre puisse être perpétuée. L'équipe de Sandogo victorieuse a reçu un jeu de maillot, un ballon, le trophée, plus une enveloppe de 100 000 francs CFA. L'équipe de Zaktouli, classée deuxième, s'est contentée d'un jeu de maillot, d'un ballon, plus une enveloppe de 75 000 francs CFA. Cette finale a mobilisé les populations des arrondissements 7, 6, 8 et 3. Et si vous êtes un supporter des étalons, vous pouvez désormais vous procurer une carte qui les prouve. Il s'agit de la carte nationale des supporters. Cette carte qui a existé dans le passé est remise à jour par la nouvelle équipe de l'Union nationale des supporters des étalons que dirige Ousseni Toukma. Depuis juillet dernier, la cérémonie de lancement s'est déroulée hier à Ouagadougou en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Nana. Ruben Wilson Koyo nous fait le point. Élu en juillet 2021, l'un des objectifs du nouveau bureau de l'Union nationale des supporters des étalons est de chercher les voies et moyens pour être autonome. Et la vente des cartes de supporters peut être l'un des moyens pour permettre aux supporters d'être indépendants financièrement. Il existe donc 4 types de cartes de supporters pour une durée de validité de 4 ans. Nous avons le plaisir et l'honneur de lancer officiellement la carte de supporters des étalons. Il existe 4 types de cartes, à savoir la carte Platinum VIP que l'on peut s'acquérir à partir de la somme de 100 000 francs CFA. La carte Gold d'un coût de 25 000 francs CFA. La carte argent au prix de 10 000 francs CFA et celle de bronze moyennant la somme de 2 500 francs CFA. La carte de supporter permettra à la structure du 12e homme des étalons, toutes les disciplines confondues, d'être plus structurée. Mais quelle est l'importance de cette carte? Se procurer la carte est un acte citoyen. Il représente notre attachement à notre, et notre amour pour nos équipes nationales. Elle permettra également de disposer d'un fichier fiable permettant d'identifier tous les supporters du pays. Et ce n'est pas tout. Cette carte de supporter présente également plusieurs avantages
pour les détenteurs. Nous sommes d'ailleurs toujours à vous parler avec des compagnies de transport, des hôtels, des alimentations et des supermarchés pour avoir des tarifs préférentiels et des rabais pour les détenteurs de ces cartes. En revanche, nous nous ferons le plaisir d'associer leur image dans toutes nos activités. Les cartes seront disponibles dans les 45 provinces et les 13 régions du Burkina Faso à travers des points focaux. Séance tenante, plusieurs souscriptions ont été opérées dans la salle. L'ancien président de l'UNCE de 2009 à 2011 n'a pas voulu se faire compter l'événement. Les étalons, c'est aussi la porte la plus visible de notre nation. Faire en sorte que les étalons chevauchent toujours plus haut, plus loin, devrait être le devoir de chaque Burkinabé. Pour le ministre des Sports et des Loisirs, ce jour est un moment spécial. C'est le jour de l'honneur et de la dignité. Le jour où le supporter vous travaille décide d'être maintenant celui qui va financer nos activités, plutôt que de continuer à tendre la main et à supplier que l'on le finance. Le lancement de cette initiative est très important parce qu'elle va permettre à l'Union de pouvoir se doter des moyens qui lui permettent de fonctionner. Le président de l'UNCE, Ousseni Touguma, demande à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs de se procurer cette carte de supporters pour le bonheur du sport burkinabé. Voilà, point final pour cette édition. Tout le plaisir est pour moi de vous l'avoir présenté. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.